Bonjour à tous. Alors, c'est déjà la deuxième émission de Parcours de vie. Et oui, la deuxième. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Guillaume Binot, qui est ici, qui a aussi un parcours de vie assez atypique. Il a 20 ans et c'est pas parce qu'il a 20 ans qu'il a rien fait. Oui. Il me semble. Hein. Et t'as fait vraiment plein de trucs. Alors, on va brasser un peu tout ça. Mais moi, j'ai la chance de t'avoir connu assez jeune. Tu étais en cinquième. On y reviendra après. Mais tu es un ancien élève et tu t'occupes aussi de la régie de la radio, entre autres. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le retour aux origines. Okay, un peu comme Jurassic Park, qui est un de tes films préférés, il me semble. C'est ça, ouais. Okay, et c'est les fossiles. Et vas-y, parle-moi de ta vie, parle-moi des fossiles de quand tu étais petit et de tout ce que ça a pu amener aujourd'hui. Bah, c'est large comme… Comme question, ouais. C'est comme balayer toute une époque, des strates. Non, mais toi, tu aimes vraiment, effectivement, l'histoire, la paléontologie et tout ça. Ouais, je suis à fond dedans. C'est un truc que j'aime depuis tout petit, en fait. Depuis mon plus jeune âge, j'ai découvert ça et j'ai vraiment continué dans cette voie-là, en fait, jusqu'en terminale, en fait. Et c'est qu'au moment de la terminale que je me suis orienté vers l'audiovisuel. Mais toujours en gardant cette passion des minéraux fossiles et en fait, enfin, des sciences en général. Mais d'où ça t'est venu? Parce que c'est pas commun. Alors d'où ça m'est venu? Bah, je pense que tout petit, on joue avec des petits dinosaures ou ce genre de choses. Et puis après, voilà, ça reste en grandissant. Mon père regarde énormément de documentaires et même quand j'étais petit, donc c'était des choses que je voyais à la télé aussi. Du coup, tout ce qui est sur France 5, Arte, ce genre de documentaires. Un d'ailleurs que j'affectionne particulièrement, c'est Prehistoric Park, qui est de la BBC du coup, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, je pense, et qui m'a confirmé dans cet amour des roches et des minéraux. Et tout petit, t'es allé gratter la terre? Oui. Oui, il y a plusieurs fois où je me suis fait engueuler en rentrant parce que je ramenais tous les cailloux du coin. Et c'est génial. Dès que j'en trouvais. Heureusement que j'ai un père qui me suit un peu dans ces délires parce que du coup, ça aide pas mal. Mais puis on a la chance d'avoir l'espace Pierre Folle qui est pas très loin de là où on habite et ils organisent des fouilles dans un enclos. Enfin, ils font venir de la terre des carrières Lafarge et on peut monter sur le tas de terre et aller fouiller et garder les fossiles. Et donc là, en fait, j'ai clairement passé ma vie là-bas quoi. Quand j'étais petit, tous mes anniversaires, je les faisais là-bas. Et je ramenais avec des sacs complets qui étaient beaucoup trop lourds pour que je puisse les porter à l'âge que j'avais. Tu m'étonnes. Mais ouais, non, c'était. Et maintenant, t'as comme dans un musée. T'as des casiers dans ta chambre. Totalement. Comme les réserves avec des plein de fossiles de partout. Ouais, c'est ma chambre est devenue, on va dire, une pièce de musée en fait. C'est une chambre des curiosités. Ouais, exactement. Ça s'est un peu plus élargi au fil du temps. C'est pas que axé minéraux fossiles. C'est devenu aussi tout ce qui est curiosité de la nature et très axé sciences naturelles en fait. Donc tout ce qui peut être des crânes ou tout ce qui vient du monde, qui provient du monde animal ou même des plantes, des coquillages, ce genre de choses, quoi. Et je commence à avoir une collection qui, je pense qu'on n'est pas loin du millier de pièces, donc voilà, ça commence à être… On est large. Ouais, c'est ça, et puis surtout, c'est que ça prend de la place dans la chambre. C'est-à-dire qu'à un moment, la chambre, elle est plus extensible, et mon père m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait faire un tri dans ce que je ramenais à la maison. Mais du coup, voilà, et puis… Donc, une grosse partie qui est dans les réserves, donc qui est rangée dans des tiroirs, mais les plus belles pièces sont exposées. Et ça, enfin, moi, j'aime beaucoup, quoi. Ça a un côté très satisfaisant de voir tout ça quand c'est bien rangé, comme dans un musée, en fait. Guillaume, d'ailleurs. Pourquoi Guillaume? C'est vrai que c'est pas commun comme nom, ça. Ouais, c'est pas commun. Ici, c'est pas commun, mais dans le sud, t'en trouveras plein. Ah, pourquoi dans le sud? Tu viens de où alors? Mon père, il a passé pas mal de temps dans le sud, et Guillaume, ça veut dire Guillaume en occitan. Donc c'est un prénom qui vient de là-bas, d'ailleurs avec la ville de Saint-Guillaume-le-Désert. Donc c'est un prénom qui vient de là-bas et quand tu descends dans le sud, t'en croises plusieurs des Guillaume. Pas mal, j'aime bien. Moi aussi. Alors Guillaume, je t'ai rencontré quand t'étais en 5e, si je me souviens bien. On s'est vu avant aux portes ouvertes, mais tu ne connaissais pas. D'accord, tu ne connaissais pas, nickel. Moi je le connaissais, mais toi tu ne connaissais pas. D'accord, ok, c'est gentil. Et donc t'as attaqué latin avec moi en 5e et je crois que c'était le moment du premier clash. Oui, comme les Doors. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais, j'ai eu le malheur d'oublier mon livre trois fois, mon livre de latin, qui n'a pas servi d'ailleurs ce jour-là en cours. Mais tu m'as collé une punition assez sévère, on va dire, qui était un peu disproportionnée par rapport
à la faute commise. Et du coup, mes parents ont répondu par un mot dans le carnet qui prenait ça aussi sur le ton de l'humour, ce qui t'a beaucoup plu d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et ce qui a fait que du coup, bah, c'est à partir de là où en fait, bah, ça s'est super bien passé entre nous, quoi. Ça a bien démarré, et puis même maintenant, enfin, auprès de mes parents, quoi. Je veux dire, avec mes parents, tes potes, tu viens à la maison quand tu veux. C'est bien. Et par contre, c'est à la suite, c'est ce qui m'éclate vraiment. C'est toujours ce que j'essaie de faire, c'est de révéler votre potentiel. Alors toi, tu en as plusieurs, effectivement, on parlait de celui-là, mais tu as aussi la photo, on en reparlera après. Mais surtout la vidéo, et généralement, enfin, moi je fonctionne par projet en général, c'est-à-dire que en troisième, puisque moi j'ai des collégiens, je fais des fins d'année, on va dire, comme un peu aux États-Unis où il y a des parcours, et à la fin il y a un projet particulier, et là on avait monté l'Énéide, qui était l'adaptation en film de l'histoire d'Énée. En film théâtre, tout à fait, avec des performances musicales auxquelles tu participais, on va y revenir. Aussi, ouais, je m'en souviens. Et donc, bah, si tu me racontais un petit peu, bah, déjà l'Énéide, mais rapidos, mais surtout ce déclenchement, enfin comment l'audiovisuel, parce qu'il y a eu un basculement, t'es venu à ce moment-là, parce que je pense que ça a été un déclenchement, grosso modo. En fait, je faisais déjà un peu de photos et de vidéos à côté, mais c'était le truc avec le caméscope des parents qu'on piquait et qu'on allait faire avec les enfants des voisins. On allait faire des films, on s'imaginait des histoires et on se filmait. Donc voilà, et je pense que ça a commencé là. J'avais déjà cet attrait pour... je regardais pas mal de séries, parce que mes parents regardaient des séries et je regardais des séries avec eux. Et donc je pense que ça a commencé par là, mais je m'en rendais pas encore bien compte. Et en fait, arrivé en troisième, et avec ce projet justement d'Anéide, donc il y avait une partie théâtre, et moi je suis venu le voir et je me suis dit, bah, en fait, clairement, je veux pas être sur scène ou devant la caméra parce que bah, c'est pas mon truc. D'ailleurs, c'est rigolo aujourd'hui. Hein. Bah, c'est ça, ouais, voilà, là j'ai pas l'habitude parce que d'habitude je suis de l'autre côté. Hein. Et du coup, je suis venu te voir, et donc toi tu m'as dit, bah, ok, pas de souci, tu prends une équipe de potes et vous faites l'équipe technique en fait du projet. C'est marrant que tu me racontes ça parce que j'ai ce souvenir global, mais j'ai pas l'intégral. Tu m'as dit pour mot, ok, vas-y, prends tes potes et fais une équipe et vous faites l'équipe technique du projet, je vous laisse gérer tout l'aspect technique. On n'avait aucune compétence, enfin compétence professionnelle, on va dire, pour un projet de cette envergure, parce que le projet était immense quand même. On s'est attaqué à un truc qui était assez énorme. Et du coup, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est renseigné un maximum. On avait le caméscope, on a pu choper quelques appareils photo aussi. On a construit un chariot de travelling avec des roues de skate et des tubes de PVC. C'était ton idée, je m'en souviens. Bah ouais, puis du coup, on a regardé pas mal de tutos pour essayer d'apprendre à faire ça, tout ça. Et ce qui est génial, c'est que tu nous as laissé faire surtout. Oui. Bah, ça aurait pu être un truc où tu disais, bah non, on perd pas de temps là-dessus, on a d'autres. Enfin, parce que le projet était énorme, ça avançait de tous les côtés en même temps. Mmh. Et du coup, bah, comme tu disais, le fait que tu nous aides à révéler notre potentiel, c'est que tu nous as dit, bah ouais, en fait, vas-y, fonce. Oui. Et du coup, donc on l'a fait, et moi je me suis éclaté derrière, c'était pas la réalisation parce que c'était un projet commun, mais au cadre, quoi, et tout ça. Et du coup, donc en fait, ce projet, ça a été vraiment déclencheur chez moi, c'est-à-dire que j'y ai passé jour et nuit, clairement. J'ai refait tout le montage derrière, tout ça. Enfin, on était à deux jours du brevet et on était ensemble en train de monter, en train de monter le projet. Du coup, j'ai pas révisé le brevet. Tu me l'avais pas dit. Ouais, mais tu l'as eu. J'ai révisé, mais la veille, quoi. Ouais. Bah, après, c'est... Oui, voilà. Mais, et en fait, l'été qui a suivi, j'ai senti comme un manque, quoi. J'avais rien à monter. La drogue, donc. Clairement, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai passé l'été à me dire, mais en fait, ça me manque d'être sur un ordi et un logiciel de montage, quoi. J'avais besoin d'être dessus. Et du coup, après, alors ça a mijoté dans ma tête pendant tout le lycée, la seconde, première. Et en fait, c'est vraiment arrivé en terminale, quand il a fallu s'inscrire sur Parcoursup, où je me suis dit, mais en fait, je vais me renseigner quand même, tu vois, peut-être que j'ai un truc, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Et donc, j'avais quand même mis la fac de sciences qui était mon but quand même depuis le début. Enfin, les fossiles, la paléontologie, voilà, mes profs de sciences étaient totalement, ils me poussaient encore plus là-dedans, ils étaient totalement, en fond avec moi pour que je fasse ça. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais tenter quand même les concours pour les BTS audiovisuels, et j'avais même tenté la Cinéfabrique. Parcoursup a fait que... Parcoursup. Voilà, j'ai été pris que en fac de sciences. Je n'étais pris nulle part dans les BTS audiovisuels. C'est à ce moment-là où je me suis dit, la fac de sciences, ça me plaît, hein, je suis intéressé par les sciences et tout ça, mais... Quelque chose ce que je me suis rendu compte sur toute ma scolarité, c'est qu'en fait, j'étais pas fait pour être assis sur les bancs de l'école
et apprendre comme ça en fait. Alors je pense que tu parles à beaucoup, enfin ouais, ceux qui vont regarder, etc. Mais c'est un choix, c'est un défaut d'orientation. C'est un choix. Mais le problème c'est qu'on connaît pas, on connaît très peu de choses en mais fait quand on est au collège et même d'ailleurs en terminale. Je me souviens, moi c'était la, oui, c'est la galère quoi. Après ça m'a pas dérangé parce que, enfin ça m'a pas dérangé plus que ça jusqu'au lycée parce que j'avais quand même quelques facilités en termes de mémoire. Je retenais énormément les cours, je les retiens très très vite. Donc en fait je sors du cours et j'ai 90% du cours qui est enregistré. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas fourni un travail très, très conséquent à côté du cours. T'as rien foutu. Non, mais je sais, c'est bon. Quand il y avait des exercices à faire, je les faisais, mais tout ce qui était leçon, tout ça, je n'avais pas besoin de les relire. Donc, ça m'a aidé. Donc, voilà, c'est ce qui m'a fait que... c'est ce qui a fait que je n'ai pas tout de suite tilté en me disant bah, c'est pas ça que je veux. Mais quand j'ai réalisé que, bon, aller jusqu'au doctorat, c'était Bac plus 8 sur des bancs de fac, voilà, je me suis dit... J'ai eu peur que ça me dégoûte en fait de ce que j'aimais. Et du coup, je me suis dit, vaut mieux que je fasse des études plus courtes parce que voilà, donc tout le BTS. Et garder cette passion, en fait, bah, vraiment à titre de passion à côté. Mm-hmm. Et rien ne m'empêcherait plus tard de cumuler les deux en fait. C'est-à-dire de faire de l'audiovisuel lié à tout ce qui est de la science. Donc, ce qu'on fait un peu déjà. Ce qu'on a fait, quand on va revenir sur ces projets-là d'ailleurs, ce qui est totalement faisable, même ne serait-ce que faire des documentaires, voilà, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Et je pense que j'ai bien fait. Ouais. Surtout, là, j'arrive en fin de BTS et clairement, mes résultats me confortent dans l'idée que c'est là-dedans que je veux m'orienter. Ouais. Je suis très très content que tu aies fait ça et que tu t'éclates en plus. Je me souviens de cette passe un peu complexe du poste Parcoursup. Ouais. Ouais. Ça a été ça a été la descente aux enfers. C'était la dégringolade. Oh, Dieu, je me souviens. Pendant 3 ans, pendant tout le lycée, j'avais taffé à mort pour faire des projets audiovisuels. Je m'étais déjà engagé donc dans la radio qui est maintenant RVAZ. Mm. On avait bossé ensemble sur des documentaires, enfin sur plein de choses. J'étais à fond là-dedans et du coup ne pas avoir été pris dans les BTS, c'était un peu la dégringolade. Parce que bon, j'étais pas non plus 100% sûr de moi, mais je veux dire, avec le dossier que j'avais, je m'imaginais que ça pouvait passer. Donc voilà, et du coup, c'est pas passé la première année. On saura probablement, enfin si, mes profs m'ont dit pourquoi, mais. et du coup, c'était compliqué. J'ai testé la deuxième phase de Parcoursup, parce que du coup, à la fin de l'été, ils relancent pour ceux qui n'ont rien eu. Je me suis inscrit dans une fac d'art du spectacle. Et je me suis dit, je vais tenter. Donc, c'était la fac d'art du spectacle de Valence. Parce que je me suis dit, y a peut-être un moyen qu'ils nous fassent faire un peu de film, tout ça. J'y suis allé, j'ai fait la pré-rentrée. Ouais, je suis arrivé, ils m'ont dit, on va faire de la danse, du théâtre. J'ai dit, pas pour moi. Du coup, je suis resté 15 jours et je suis reparti. Et donc, pendant les 3 mois qui ont suivi, donc à peu près jusqu'au mois de décembre, janvier, j'étais non scolarisé, mais du coup j'aime bien quand tu dis ça. C'est le cas. Mes parents m'ont beaucoup tanné pour que je fasse un job à côté, c'est-à-dire essayer de trouver un truc, genre bosser à McDo ou voilà. Moi je leur ai tenu tête, je leur ai dit que non, je voulais pas faire ça parce que il y avait un peu la pression que je faisais rien de mes journées, mais je passais mes journées sur l'ordinateur à essayer d'améliorer mon montage, à apprendre, à essayer d'enrichir mes connaissances dans ce milieu-là pour pouvoir dans l'optique de retenter Parcoursup, mais j'étais pas encore là, plutôt dans l'optique de me dire, à un moment, je vais monter une auto-entreprise et je vais me lancer tout seul. C'est une profession, on n'a pas forcément besoin de diplôme, et voilà, je me suis dit, je vais y aller au culot. Donc voilà, et après, j'ai eu. Là où ça s'est débloqué, c'est qu'en fait, on m'a conseillé de faire des stages, d'essayer de faire des stages, mais quand on n'est pas scolarisé, c'est pas possible, des stages conventionnés. Et l'un des seuls organismes qui conventionne des stages pour des jeunes qui sont non scolarisés, c'est les missions locales. Et donc il y a une mission locale, il y a une permanence qui est faite à Civrieux, donc là où j'habite. Donc j'y suis allé, je suis allé m'inscrire dans cette mission locale, le siège est à Tassin. Et du coup, là j'avais un conseiller qui m'accompagnait, c'est un peu comme Pôle emploi, mais pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et dans cette mission locale, il cherchait un service civique, qui était un service civique plus axé numérique. Mais grosso modo, j'avais les compétences qui collaient un peu avec. Je me débrouillais avec un ordinateur, ce genre de choses. Et je leur proposais du coup de faire un film de promotion de la mission locale. Et du coup, ça a carrément plu. Et du coup, j'ai été pris en service civique dans cette mission locale. Et j'ai travaillé là-bas pendant... Alors,
théoriquement, j'ai travaillé 8 mois. Après, bon, est arrivée une petite maladie qui est passée par là, qui s'appelle le Covid. Donc, bah, y a eu un peu de télétravail, mais c'était plus du travail, c'était plus du chômage partiel. Mais ça s'est super bien passé. Et mon conseiller à la mission locale, parce que du coup, en parallèle de ça, j'étais encore suivi par la mission locale, m'a vraiment dit retente Parcoursup. Limite, il m'a un peu forcé, parce que moi, j'étais moins chaud, parce que j'avais pas envie de revivre la même dégringolade que l'année dernière, l'année précédente. Et donc, je suis allé voir une conseillère d'orientation quand même, qui m'a dit ça peut se faire, ça peut s'entendre. Parce que du coup, je me disais, en plus, je suis en reprise d'études, donc il y a encore moins de chances que je sois pris, parce qu'ils vont laisser plus de place au post-bac, tout ça. Et bah, du coup, je me suis quand même réinscrit un peu à contre-cœur. Et au final, j'ai été pris cette année-là. Donc, c'était génial, quoi. Là, c'était vraiment. Alors, pris chez qui, par contre, BTS, parce que c'est ça. Ouais. Bah, j'ai été pris au BTS audiovisuel de Villefontaine. Et du coup, là, c'est donc qui était à une heure de chez moi. Donc, c'était vraiment plus le plus proche. Et c'est le seul que j'ai mis sur Parcoursup cette année-là. Parce que autant l'année d'avant, j'avais mis tous les BTS de France, en me disant, il y en a peut-être bien parmi tous ceux-là qui vont me prendre. Et là, j'avais mis que celui-là. J'avais dit, je m'inscris, ok, mais je mets que Villefontaine, sinon je vais pas m'embêter à aller plus loin. Et du coup, je l'ai fait et j'ai été pris. Donc, tant mieux. Tant mieux, et j'en suis très content parce que maintenant, ça fait un an et demi que j'y suis. On a fini les cours, on attaque maintenant la partie examen et la partie mise en situation professionnelle. Et c'est génial, quoi, je m'éclate. Et comment tu résumerais pas en 25 000 phrases, mais en 2-3 phrases qui vont en finir par 10 ou 15, cette année et demie en BTS de Villefontaine, comment tu synthétiserais, par exemple, pour tous ceux qui t'écoutent, Villefontaine, ce que c'est, ce BTS, qu'est-ce que tu y fais, qu'est-ce que ça apporte? Tu veux dire concrètement la formation Ville comme tout le sens. Hein, vas-y, comme tu viens du Sud, vas-y, fais parler ton cœur. Pour moi, c'était surtout l'occasion d'apporter. De confirmer, on va dire, ce que déjà je souhaitais comme orientation pour plus tard. Et puis surtout, ça professionnalisait les quelques compétences que j'avais pu acquérir avant, en autodidacte, du coup. Parce que, du coup, ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais un peu de la vidéo à côté, mais totalement en apprenant sur le tas. Et du coup, là, c'était vraiment. On rentre dans le milieu pro, quoi. C'est même si on n'a pas forcément besoin d'un diplôme pour plus tard. C'est quand même, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels du milieu qui bossent là-dedans tous les jours et qui du coup, on a toujours des choses à apprendre, quoi. Donc ils sont là pour nous briefer, ils sont là pour nous accompagner là-dedans et faire du réseau en plus, donc ça nous fait des contacts pour la sortie du BTS. Et du coup, c'est vraiment, c'est 2 années en fait où j'ai pas eu l'impression de travailler, quoi, parce que c'était que du plaisir. C'est ce qu'ils me disent tous généralement sur une passion, c'est que tu peux passer des heures et des heures et des heures. Totalement. Et en fait, t'es dans ton truc. Ton trip et ton truc. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que quand on est en vacances, du coup, on relâche tout, mais on relâche la partie scolaire, devoir, mais tout ce qui est projet audiovisuel, tout ça, en fait, Et t'as une partie stage ou une partie cours, comment ça se gère là-bas? Ouais, c'est pas de l'alternance. Maintenant, ils ouvrent de plus en plus l'alternance. Là, cette année, il y en a 2 sur les 50 de la nouvelle promo qui sont en alternance. Alors que moi, quand j'y suis rentré, c'est pas de l'alternance. Par contre, on a quand même des semaines de stage obligatoires. Ils essaient de nous en faire, je crois, c'est 6 ou 7 par année. Bon, là, c'est un peu particulier parce qu'avec le Covid, forcément. Vous y êtes quand même arrivé, ce qui est déjà pas mal. On y est quand même arrivé, ça a été très compliqué. Hein, la recherche de stage, c'était vraiment la partie pas facile. Et je pense à tous les anciens, les élèves, actuellement aussi les collégiens, là, pour les recherches de stage, c'est tellement complexe. Non, c'est clair. Ouais. Donc et du coup, ça, les stages, c'est juste génial, quoi. C'est le moment de mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant ces 2 années. Et vraiment, quand on est sur les bancs de l'école, parce que ça reste quand même très scolaire comme formation, c'est un BTS, c'est géré par l'éducation nationale, ça reste très scolaire, on est dans un lycée, on a des cours classiques, c'est des salles de classe classiques avec des livrets, et voilà. Et toute cette partie-là, c'est vrai que c'est un peu du bourrage de crâne, quoi. On nous bourre le crâne avec ça, mais en fait, et on peut se poser des questions sur le coup, de se dire, est-ce que ça va vraiment me servir, est-ce que c'est vraiment utile que je retienne ça par cœur? Et en fait, quand on est sur le terrain, on se rend compte que oui. Même si après, par expérience, on le fait par réflexe et parce qu'on saura quantifier la quantité de lumière qu'il nous faudra, sans avoir besoin de refaire tous les calculs qu'on a appris, sur le début, quand on démarre, c'est quand même vachement utile. Et surtout,
Bah ouais, on se rend compte que c'est les profs ont raison, quoi. Ils nous bourrent le crâne avec, mais au final, ça nous sert. Parce que c'est spécialisé, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on vient d'une filière générale, j'ai eu un peu de mal parce que, enfin, il y a des trucs, je me disais vraiment, mais ça, je vais plus jamais refaire de ma vie, je veux pas. Mais tu vois, je pense que quand même, ça participe de la culture générale, de l'ouverture. Totalement. Et ça, avec du recul, maintenant, je me dis que c'est quand même pas mal de voir tout, même t'en baves à un moment. C'est sûr, et je suis content d'avoir fait l'effort de continuer là-dedans, parce que c'est sûr que ça, c'est totalement ça, c'est de la culture générale. Mais du coup, voilà. Mais le fait que ce soit spécialisé, je trouve, c'est plus confortable, on va dire. On prend vraiment plus du plaisir à aller apprendre, alors que les cours de français, par exemple, au lycée, j'y allais, mais c'était un peu plus douloureux que les autres cours, quoi. Alors que là, maintenant, même s'il y a des matières qu'on aime un peu moins, c'est quand même du plaisir parce qu'on sait que ça nous sert derrière concrètement, quoi. Tu peux m'énumérer, par exemple, certains points qui sont abordés au BTS, est-ce que ça concerne le scénario, le script, que l'étalonnage, même ce que c'est que l'étalonnage et tout ça, quoi, grosso modo. C'est très varié parce qu'il y a 5 filières. Donc il y a la filière montage, son, image, technique d'exploitation des équipements et des supports, c'est très compliqué, on les appelle les exploitants, qui font un peu tout. Et la filière gestion de la production. Donc ces 5 filières, il y a des cours qui sont spécifiques évidemment à chaque filière, il y en a qui sont communs à toutes les filières, tout ce qui est par exemple les cours de culture artistique, les cours d'anglais, et même si l'anglais du coup, donc c'est un anglais spécialisé pour le milieu de l'audiovisuel. Et après, je sais qu'en montage, ils ont des cours de scénario. Je crois que c'est l'une des seules filières qui a des cours vraiment régulièrement de scénario. Les autres, ils ont juste quelques interventions. Mais c'est eux qui ont les vrais cours de scénario. Et nous, par exemple, en image, ça va porter sur plusieurs choses. L'image, c'est axé sur la lumière et la caméra. Aussi bien savoir gérer un éclairage que de pouvoir paramétrer une caméra pour faire un tournage. Ce que tu as fait tout à l'heure. Là, je fais un peu des deux parce que du coup, il y a de la lumière et de la caméra, mais des fois, quand il y a plus de monde, chacun gère sa partie. Et puis on a quoi ? On a tout ce qui est partie théorique sur les cours. Donc là c'est vraiment de la théorie, connaître les capteurs des caméras, les optiques, savoir dimensionner les choix qu'on veut faire sur le terrain, savoir, truc tout bête, mais calculer ses batteries pour savoir combien de batteries va nous falloir dans la journée, quoi. Par exemple. Et puis après, il y a une partie plus pratique, évidemment, parce que là c'est cool quand même, c'est qu'on pratique beaucoup dans cette formation, même si ça reste dans des horaires restreints de lycée, malheureusement, c'est le seul truc que je trouve un peu dommage. Parce que du coup, ça fait, c'est par tranche de 4 heures, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est obligé, au bout d'un moment, le lycée y ferme et on est obligé de rentrer, quoi. Donc, et puis là, il y a une partie pratique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des profs, on va pas travailler la même chose. C'est-à-dire que les TP avec tel prof, ce seront des TP qui seront plus mis en application vraiment de la théorie pure qu'on a vue, c'est-à-dire juste tu fais que ça. Et il y a des TP avec un autre prof qui seront plus artistiques, où là, on a un peu plus de liberté et on peut faire des choses, on peut créer, quoi. C'est cool. Ouais. Franchement, c'est top. Ouais. Et avant de revenir au stage et de basculer après sur ce que tu vas faire maintenant, ce que tu fais, tu me parles d'artistique. Ça me fait penser que toi, tu as aussi une fibre artistique, une fibre. Au moins, tu as un bagage musical, on va dire, qui a pu nous servir. Je pense à Lénéide, où tu étais harpiste, me semble. C'est ça. J'ai fait 6 ans de harpe. J'ai commencé. Ce qui n'est pas commun quand même. Ce qui n'est pas commun, oui, comme instrument, je confirme. C'est pas du tout commun et pas très pratique à transporter. Ah oui, je me souviens, avec toi, on a une grosse tortue, c'est. C'est pas le truc qu'on amène autour du feu quand on fait une soirée avec ses potes. Donc. C'est la soirée guitare, la soirée harpe. C'est pas le même gabarit, quoi. Donc j'ai fait 6 ans de harpe. Alors, ce qui est terrible, c'est que je me souviens pas du tout. Je serais pas du tout capable de rattacher ça à mes années scolaires. C'est-à-dire de faire le parallèle. Je serais incapable de dire. À quelle classe j'ai commencé, en fait. Pour moi, c'était vraiment deux mondes détachés. Okay. Et même maintenant, quand j'essaie de faire l'effort de me rappeler, je ne sais pas du tout en quelle année j'ai commencé ni en quelle année j'ai fini. Je sais que c'était à peu près, grosso modo, pendant la période collège, mais pas plus. Donc, j'en ai fait 6 ans. Ce qui m'a fait arrêter, c'est le solfège. c'était pas la partie que je kiffais le plus. Surtout que j'avais du mal pour déchiffrer les notes. Et vu que plus on progresse dans les années de solfège, plus ça va vite. Le prof nous donne une partition et ça y est, tout le monde sait déjà la jouer. Alors que moi, j'étais en galère avec ma harpe. Donc, voilà. Et derrière, je me suis arrêté un an avant le diplôme de fin de solfège, quoi.
Et puis parce que aussi, je, bah, un peu comme avec les cours, quoi, je passais pas beaucoup de temps en dehors de, des cours de harpe sur la harpe à la maison. Donc à un moment, bah. Donc à un moment est venu le, voilà, disons, bah, je vais faire autre chose, quoi. Donc je me suis, je crois que c'est à peu près la période où je me suis mis au sport, du coup, en parallèle. Ah, parce que t'as poussé à la salle, toi, il me semble, à un moment. Oui, mais ça c'est après, ça c'est plus tard. Après. Ça, attends, c'était, ouais, j'ai commencé par le tennis. Ah mais oui. Ouais, tennis et puis ça, alors ça vraiment, j'ai vraiment kiffé le tennis. C'était un truc que j'aimais beaucoup. Et puis après à un moment bah, je pouvais plus parce que bah, le lycée était un peu plus loin tout ça donc j'étais plus aux horaires qu'il fallait. En plus il me semble que tu as une maman qui s'occupe de la chorale aussi en musique. Et qui s'occupe de la chorale, oui parce que, du coup, oui, parce que c'est vrai ouais. J'ai fait de l'harpe mais j'ai fait du chant aussi à côté. Ça mmh. fait, bah, le chant j'ai continué plus longtemps parce que le chant j'ai pu continuer du coup dans la chorale. Déjà on en faisait en scolaire aussi parce que ma mère était prof de chant du coup à l'école, dans l'école primaire où j'étais. Et du coup après j'ai continué aussi dans une chorale associative en dehors des cours. Et le chant, bah, ça, oui, c'est un truc, ça, je continue encore un peu, enfin, maintenant plus en chorale, parce qu'effectivement, mes études m'ont emmené plus loin que là où j'étais basé. Donc, voilà, mais sinon, voilà, côté musique, ça a servi pour les néides, parce que là, tu m'as dit, faudrait un truc qui fasse un peu... Un peu aed, un peu grec, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bah, du coup, bon, l'harpe... mais c'était classe. Bah, c'était classe, mais c'était un peu de la full impro, quoi. C'est-à-dire que j'avais plus touché à ce moment-là. Ça faisait déjà peut-être, je sais pas, mais peut-être 2 ou 3 ans que je touchais plus à l'harpe. Par chance, je l'avais encore, parce qu'on l'a revendu pas longtemps après. Et tu m'as dit, bah ok, il faut faire un truc qui colle à peu près avec le style, voilà. Donc, bah, heureusement que ma mère est musicienne, hein, parce que du coup, elle m'a dit, tu te mets dans cette gamme-là, ça devrait faire un truc qui sonne à peu près bien. Et tu touches un peu tes cordes. C'est l'avantage de l'harpe, c'est que oui, tu touches n'importe quelle corde, ouais, c'est joli. C'est pas comme le violon, quoi. Le violon, il faut de l'entraînement avant que le son soit joli. Là, l'harpe, bah, l'avantage, c'est que tu fais un swing et c'est bon, quoi. C'est joli. Moi, ouais, c'était pas à ce niveau-là, mais. Tu fais un swing. Mon Dieu. Ah, j'espère que personne n'écoute. si, mais j'ai... non, mais je faisais pas ça. Mais... Enfin, au moment de la nuit, je faisais pas ça. J'ai... Non, mais je sais, mais je travaillais, mais voilà. Et puis, non, bah, ça rendait bien. Par contre, quand on l'a refait. Oui. Plus tard, au musée gallo-romain, là, il n'y avait pas la harpe. Là, c'était moins drôle, du coup. Parce que là, il n'y avait plus de possibilité de régler les gammes et tout. C'était le stress, hein. Par contre, toujours être sur scène. Parce que du coup, à la base, je voulais pas être sur scène. Oui, ça, je sais. Ouais. Et du coup, quand tu me l'as annoncé, j'étais vraiment au bout, quoi. J'étais mais qu'est-ce que je fais là, quoi. tu es toujours dans un spectacle. Oui, mais c'est le problème, c'est que je voulais pas être devant toi. Déjà, tu m'avais fait jouer le cyclope. Oui, c'est vrai. Dans la partie film. Bon, ça allait parce que j'avais un masque, j'étais costumé de partout. C'était terrible d'ailleurs comme costume. Ouais. Pas séché pendant 4 heures dehors, c'est ça? Oui, à peu près, ouais, c'est ça, avec les bras tendus, écartés. Posé sur des poubelles. Voilà, parce que le costume était en mousse expansive et il fallait le faire. Que ça sèche. Voilà. Et après, il a fallu découper les articulations au cutter. Alors que j'étais dedans. Ouais. Là, donc, c'est clair que je ne l'ai pas ramené là. Hein. Donc bref, c'est ça. Et puis par contre, voilà, je me retrouvais sur scène, quoi. Là, pour le coup, c'était vraiment tout ce que je voulais pas faire à la base. Mais tu vois, par contre, ça te sert vachement. On va parler de perdition. c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose, mais le jeu d'acteur et être acteur, ça veut dire que t'as quand même. J'étais pas acteur. Oui, mais t'as quand même une vague idée de comment ça se passe sur scène et de ce que ça peut être en ressenti et en placement d'acteur. Oui, parce que du coup, vu que j'étais pas dans le, j'ai vu que c'est pas moi qui jouais des rôles, j'aidais par contre dans la mise en scène. Je me souviens, on répétait avec les acteurs, on était derrière les salles de classe et j'étais avec eux pour leur faire jouer leur truc. Voilà, mais. Au moment de jouer de l'harpe, j'étais clairement en PLS, hein, le stress et tout, c'était vraiment pas mon truc. J'étais content quand c'était fini, mais bon, ça s'est bien passé au final. Ouais. Alors, je fais un switch sur ce que je viens de dire et surtout sur Perdition, qui est ton gros projet actuel dont tu vas nous parler. D'ailleurs, avant qu'on switch sur… Alors, je voudrais bien qu'on parle de la photo aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, tout comme certains de tes camarades. Je pense à Arnaud qui est dans la régie là en ce moment aussi. Ce truc de l'image, ouais, coucou, t'es pas tout seul. Mais on va basculer sur Perdition et bah, tu me racontes la jeunesse parce que c'est un vrai truc qui est dingue que tu as réussi à mettre en place. Sur du moyen ou du long métrage. Là, qu'on a réussi à mettre en place, surtout, c'est ça. Oui, d'accord. Parce que je te parle et c'est toi. Mais j'ai bien vu ton équipe et j'ai bien vu qu'effectivement, un projet comme ça, et je le sais bien pour emmener, que ça ne se fait pas tout seul. Parce que si. Enfin, je veux dire, non, quoi. Pour revenir sur Perdition, c'est un projet qui a commencé l'année dernière. Du coup, c'était juste avant l'été. En fait, au BTS, il y a ce qu'on appelle des 49 heures. En gros, tu as 49 heures pour réaliser, écrire. Tourner, monter et finaliser un film.
C'est des trucs qui sont super à faire, franchement. Donc lui, s'est organisé spécifiquement par le BTS, mais il y en a qui sont organisés dans la France entière. Et donc lui, qui était organisé par le BTS, il y avait une contrainte qui était dans quelle étagère du verbe errer. Et du coup, donc oui, c'est ça, on a des contraintes, il faut faire le film par rapport à ces contraintes. Donc on était une équipe de 5 ou 6. Et on s'est dit, c'est le dernier de l'année. En plus, on savait que le dernier de l'année était projeté au cinéma. Ils avaient réussi à obtenir la salle de ciné pour pouvoir faire ça, la salle de ciné de Villefontaine. Et on s'est dit, on va tenter quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on voit habituellement dans les 49 heures. Et on va faire une grosse scène d'action bien bourrine. On s'est dit, on était un peu tous, enfin dans le groupe, on était tous un peu tous fans de films d'action, tout ça. Et on s'est dit, let's go, on fait ça. On a sacrifié du coup l'aspect scénario parce que tourner une scène d'action, ça prend énormément de temps, surtout quand on ne sait pas se battre. c'est terrible à dire, mais c'est ça. Hein, on a sacrifié le scénario, on a dit on fait juste ça comme scène, on ne va pas chercher plus loin, on ne cherche pas le pourquoi du comment, et on s'éclate, on s'amuse sur ça. Et donc on avait des airsoft, tout ça, on a chorégraphié un petit truc qui nous a pris quand même pas mal de temps à faire. Et on s'est dit soit ça passe, soit ça casse au moment de la diffusion, quoi. Ça peut plaire comme ne pas plaire du tout. Et en fait, ça a carrément plu. ça a carrément plu, et du coup, il nous a été demandé en fait l'histoire qui va autour de cette scène. Et on s'est lancé du coup dans le projet de faire un film autour de ça. On s'est dit, on va faire un truc pas trop long, voilà. Et puis maintenant, on a pratiquement 45 minutes de film, je crois, au niveau du scénario. Ouais, comment vous êtes pris pour scénariser, pour trouver le lieu, surtout, enfin, pas cette casse, mais ce lieu où tu as les avions, là. Oui, il y a plusieurs endroits où on va tourner. On a essayé de varier un peu les plaisirs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le scénariste du projet actuel, qui était du coup un membre de l'équipe au moment du 49 heures, a souhaité écrire l'histoire, on lui a dit vas-y, écoute, fais-nous un scénario autour de ça. Donc forcément, on a gardé à peu près les mêmes rôles qu'on avait au moment du 49 heures, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un à la production, il y avait quelqu'un au niveau, enfin plusieurs personnes à l'éclairage, quelqu'un derrière la caméra et quelqu'un au montage. Donc cette équipe-là, on l'a gardée, c'est toujours le noyau central du projet actuel. Maintenant, il y a des gens qui sont greffés autour, puisqu'on est à peu près une trentaine de personnes. On est content parce que c'est quand même un tiers du BTS qui sont raccrochés au projet. Il a scénarisé, il a inventé une histoire, et une histoire en lien avec du coup ce que je lui demandais aussi, parce que du coup, moi je suis réalisateur sur le projet. On a écrit ce scénario. Enfin, il a écrit, moi je lui donnais les idées, lui il écrivait autour de ça, et il me disait à des moments, là c'était plus judicieux si on fait comme ça, parce que lui il a la fibre de l'écriture que je n'ai pas du tout. Donc voilà, mais ça a plutôt bien matché, heureusement. Et il y a eu quand même plusieurs discussions. Maintenant, on a un scénario qui doit faire. Il fait quoi? Je serais pas dire, on a une quarantaine de pages, je crois, au niveau du scénario. Et une histoire qui tient la route, enfin, on l'espère. Et une trentaine de personnes qui sont là pour nous aider. Donc là, c'est juste génial, quoi, parce que du coup, on a toutes les mains qu'il nous faudrait pour pouvoir faire ce projet. Il vous manque juste une partie des financements. Oui, c'est pour ça que tu as lancé une cagnotte. Oui, ouais, une cagnotte. C'est ça. Donc, qui est accessible par perdition. Enfin, on tape oui, c'est par ça, perdition. Sur Instagram, tout ça. Ouais. Et puis, tu me parles de ces avions parce que c'est un truc fascinant. Oui, dans l'histoire, en fait. Donc, l'histoire, pour résumer un peu le truc, c'est une ancienne militaire qui a subi des événements traumatisants au moment d'une opération extérieure. Qui est assez traumatisé par ces événements et qui se trouve un peu au fond du trou, quoi, qui est totalement déprimé et qui ne pense pas s'en sortir. Et du coup, elle se retrouve à accepter un boulot que quelqu'un lui a proposé dans un bar. Mais ce boulot n'était pas tout à fait, on va dire, c'est pas très recommandable comme travail. Et sa droiture va reprendre le dessus et elle va rompre son engagement, en fait. Mais sauf que du coup, en faisant ça, elle se met à dos des personnes peu fréquentables. Et il va falloir que du coup elle rompe, elle revienne sur sa promesse qu'elle s'était faite de ne plus toucher une arme à feu, enfin une arme tout court d'ailleurs, et elle va devoir tuer pour survivre, quoi. Et du coup on va essayer de jouer là-dessus. Donc certes c'est un film d'action, mais on veut pas non plus tomber dans le film d'action cliché trop bourrin. Même si j'avoue j'aime beaucoup ça aussi, mais c'est pas ce que je souhaite faire ici. Et du coup, on a une histoire qui est un peu plus sombre, un peu plus profonde, on va dire, et sans non plus aller dans le film noir, on ne veut pas non plus tomber dans cet extrême-là.
Mais on va, voilà, on a mis un peu, on a mis le paquet sur les personnages et on va essayer de faire quelque chose de bien de tout ça. Ouais. Et les avions ? Et les avions dans tout ça. Ouais, parce que moi, je sais, focus. Hein. Les avions. Les avions. C'est juste qu'il y a, le lieu de tournage. Ouais, voilà, le lieu de tournage qui a été choisi, donc c'est Montélimar. Parce que c'est des décors qui sont sympas. Enfin, je veux dire, déjà, on descend un peu plus dans le sud, donc c'est plus sympa que. Faut pas se mentir, hein. Villefontaine, c'est presque les terres froides, c'est nuageux, il fait jamais chaud. C'est terrible. Non, mais c'est vrai, il y a une zone qui s'appelle les terres froides là-bas. Mon Dieu. Et c'est terrible, hein. Franchement, ça donne pas envie de rester là-bas longtemps. Donc on s'est dit, on va là où il y a un peu plus de soleil, quoi. Et puis, vu que la productrice du projet habite Montélimar, elle avait déjà pas mal de réseaux pour trouver des lieux de tournage. Des lieux de tournage comme, alors ils sont pas encore tous confirmés au moment où on fait l'interview, mais normalement il y aurait l'aérodrome de Montélimar. Un autre lieu qui est confirmé, c'est le musée de l'avion de chasse. On aura la chance de tourner, d'être accueilli par le musée et de tourner là-bas et d'avoir accès à un avion surtout, c'est ça qui est génial. Parce que du coup, ils sont d'anciens militaires et vu qu'il y a des scènes flashback, tout ça, donc il y a des moments où le décor du musée de l'avion de chasse en fait va très bien. Pour rappeler ce côté militaire. Il y a d'autres lieux, on a un bar, il va y avoir une partie course-poursuite aussi, donc là, faut des routes, tout ça, enfin, ça va être sympa à faire, je pense, ça va être très compliqué à tourner, mais je pense qu'on va vraiment aimer ça. Franchement, ça va être... Ouais, donc voilà, les avions. Alors, les avions ne sont pas la partie centrale du projet. Hein. C'est juste une anecdote, mais c'est par rapport à ta zone de tournage, en fait. C'est ça, exactement, mais... Donc voilà, c'est... On va essayer de faire ça bien et puis de mener le projet jusqu'au bout. Enfin, ça, je m'en doute pas. Il sera fait jusqu'au bout, ça c'est sûr. Après, tout dépendra des moyens qu'on aura pour le faire et ça déterminera aussi un peu la qualité du projet, quoi. Ouais, mais je pense que ça passera très bien. Au-delà du côté bourrin que t'aimes bien, t'as quand même un côté, on va dire sensible, mais je trouve que c'est un très bel adjectif en fait, vraiment, que tu matérialises dans les clichés que tu fais, vraiment dans que ça soit la voûte céleste. Ou les oiseaux. Je pense que particulièrement les oiseaux, il y en a d'autres, hein. Mais tu cibles vraiment les oiseaux. C'est plus facile à photographier. Oui, sûr, j'allais te le dire. Si, c'est ceux qui sont là. Je veux dire, on va difficilement trouver un zèbre ou un lion dehors, là. T'as des chats. Oui, bien les chats aussi. Oui. C'est joli, les chats. Oui. Tu veux qu'on parle des nombres de vues sur les vidéos de chats? Bon. Oui, mais okay. Pas mon but. Bon, alors, parle-moi de la voûte céleste, déjà. Merci. De la photo. Alors. Oui, pour faire la photo générale, ouais, pour commencer, c'est. À côté de la vidéo, ouais, pour moi, ça va de pair. Enfin, pour ce que je fais moi, on va dire, la photo, c'est, ouais, j'en fais depuis. J'ai commencé à en faire sérieusement, on va dire, en 2017, quand j'ai pu m'acheter mon premier appareil photo. Oh. Ouais. Enfin, le premier vrai appareil, parce qu'avant j'avais les petits Nikon, les petits compacts là. Ça allait bien, mais voilà, j'en faisais pas plus que ça. Et quand j'ai eu un vrai bel appareil, on va dire, là, j'ai eu encore plus envie d'en faire. Et je me suis beaucoup plus intéressé à ça, et donc j'ai commencé, ouais, c'est ça, en 2017, ce qui commence à faire un petit moment là déjà depuis. Depuis, j'ai changé d'appareil, j'ai eu du matériel de plus en plus performant qui m'a permis d'aller explorer des thématiques de photos en fait qui me passionnent. C'est toujours relié, on va dire, à cette passion pour la nature, les sciences et tout ça. Parce que du coup, je fais pas mal de paysages, d'animaux et de... c'est ça en fait, de paysages et d'animaux. Il y a très peu... dans mes photos, il y a très très peu d'hommes, de personnes, ou même de villes. Je fais un peu de photos de villes, mais c'est pas mon... c'est pas ce que je préfère. J'en fais des fois quand c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et surtout, c'est que pour moi, la photo, en fait, c'est surtout un moyen, en fait, de s'évader, en fait, parce que je pense pas à ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire, au moment où je suis en vadrouille pour aller faire des photos, j'oublie un peu tout ce qu'il y a autour. Et du coup, ça donne lieu à des sorties photos où, justement, donc j'essaie de maxer, j'essaie d'orienter mes trucs vers l'animalier, par exemple. Donc les photos d'oiseaux, comme tu disais, mais j'essaie de... Si je trouve d'autres animaux à photographier, j'essaye, hein, mais je sais. Mais les oiseaux après aussi, j'avoue, j'aime beaucoup ça. Tu cadres tes photos, tu les construis tes photos, parce que je sais qu'il y a certains photographes, ils calculent vraiment la structure de la photo. Est-ce que toi, ça se fait automatiquement quand tu prends, ou est-ce que tu construis, est-ce que tu te fies à ton instinct, qui est un instinct d'artiste dans ce cas-là, si tu calcules pas? En fait, il y a forcément une part de calcul, mais c'est que la part de calcul, elle devient automatique en fait. Tu vois la photo, tu sais comment tu vas la faire. C'est forcément du calcul, mais on n'y pense pas sur le moment présent.
Des fois, ça donne des clichés qui sont totalement pourris, et des fois, ça en donne des clichés qui vont être, qui vont être incroyables. Là, je ne sais plus quoi dire. Mais moi, je vois très bien la suite, avant qu'on aille faire un tour à la régie. Tu as vraiment une âme de documentariste, mais au sens de qui documente, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qui répertorie et tout ça, c'est vraiment top. Et tu me vois venir gros comme la maison sur les documentaires, effectivement. Parce qu'on a bossé ensemble, mais bossé. Enfin, c'est rigolo de dire bosser, je n'aime pas le terme, en fait. Mais on a travaillé ensemble, enfin, c'est plus que du travail là-dessus. Sur la Duc du Gier, où vous avez été, donc avec Arnaud qui est derrière là aussi, primé à Icronos. À Bordeaux et sélectionné à... Icronos à Bordeaux et ensuite sélectionné à Nyons et à Amiens. Ouais, c'est ça. Et pour un super, un super documentaire. Pour les oui, c'est ça. J'allais contracter tout ça. Quand on n'avait pas encore les compétences qu'on a aujourd'hui. Mais c'était intéressant. Dans la manière de faire, on va dire. Si on nommait le côté technique, parce que ça, les compétences, on les avait pas forcément ni le matériel. Mais sur l'aspect présentation du truc, pour moi c'est une expérience que j'ai adorée. C'était génial de pouvoir faire ça et de pouvoir suivre donc la personne qui était le directeur du musée gallo-romain de Lyon à l'époque, donc Hugues Savegueraz. Et il nous a emmené une journée complète en vadrouille sur les traces de la Duc du Gier. On l'a suivi avec les caméras à l'épaule. Ouais. Et c'était génial. Moi c'est une expérience que j'ai vraiment adorée. Si possible, plus tard j'ai la possibilité de m'orienter dans ce domaine-là, j'avoue que c'est une partie que j'aimerais explorer. Vous m'avez quand même pas mal aidé là, sur les derniers tournages de la scie hydraulique, par exemple. Tout ce qui est archéologie, même tout ce qui est documentaire, c'est vrai que c'est un truc que j'adore. Même si j'aimerais beaucoup faire de la fiction, j'aimerais bien essayer vraiment de pousser les choses aussi en fiction, et comme du coup avec Perdition, c'est aussi un moyen pour moi de voir ce dont je suis capable sur de la fiction. Et en fait, le documentaire, pour moi, c'est vraiment deux trucs que j'aimerais faire, les deux. Je ne veux pas pour l'instant choisir entre l'un ou l'autre. C'est vraiment, j'aimerais vraiment essayer les deux, faire les deux, et si possible, continuer de faire les deux. Oui, je comprends bien. Notamment un type de documentaire en particulier, le documentaire animalier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionnerait, qui me passionne et que j'ai très envie de faire. Tu vas le faire, tu le sais très bien au fond de toi. C'est compliqué, c'est un cercle très fermé, l'animalier. Mais je vais essayer de me donner toutes les chances pour y arriver. Le cercle, c'est toi qui vas le faire, on s'en fiche du cercle. On s'en fiche du cercle, c'est vraiment toi qui vas faire, c'est toi qui vas poser ton regard. Non, mais sérieusement. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais donner les moyens d'y arriver. Oui. C'est ça surtout que je veux dire, mais voilà. Et sinon, pour reprendre juste un peu sur les photos, parce que du coup l'animalier pour l'instant je le fais en photo, un petit peu en vidéo, mais c'est compliqué parce que ça demande de l'installation, tout ça, donc ça je le fais plutôt dans le jardin tranquillement, alors que les photos c'est vraiment, je dis partir, mais en fait la plupart des photos que j'ai fait, en fait c'est vraiment autour de chez moi. J'ai pas énormément voyagé dans ma vie, donc je suis resté très centré sur le village, et on peut étendre un peu plus, je dirais, au département où je me trouve. Oui. Mais je suis jamais allé vraiment plus loin que ça pour faire des photos, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et en fait, surtout, c'est de se rendre compte à quel point, en fait, t'as pas besoin d'aller très loin pour faire des choses super, quoi. Et surtout, c'est que t'as une infinité de choses à faire autour de chez toi. Je découvre encore des choses. Là, très récemment, je me suis lancé dans l'astrophotographie. Et depuis mon jardin, j'arrive à photographier la nébuleuse d'Orion, ce qui me paraissait totalement improbable sans avoir un télescope ultra cher et ultra perfectionné. Et du coup, de me dire que je peux faire ça dans mon jardin avec juste l'objectif que j'ai. Alors c'est pas les plus belles photos du monde, mais pour moi juste déjà de me dire j'en suis capable, je peux le faire. Enfin, je trouve c'est aussi une dimension d'aller voir cet infiniment grand, en fait, qui te met une claque, quoi, parce que tu te dis c'est à des années-lumière de nous, et on arrive à le voir ici, et de pouvoir, moi, petit être humain sur la Terre, pouvoir faire ça, je trouve que c'est juste magnifique, quoi. Et en plus, l'astrophoto, c'est un travail qui est laborieux, parce que c'est pas juste une photo, un cliché. En une soirée, tu fais quoi? Tu fais 500, 600 photos. Des fois, il y en a qui en font plus, qu'après il faut compiler, c'est énormément de retouches parce que c'est pas exploitable directement comme ça, donc t'as même pas la satisfaction de te dire, tu prends ta photo, clac, tu la regardes dans ta galerie
Et ouais, ma photo, elle est cool. Tu vois, ce que tu peux faire sur de l'animalier, enfin, évidemment, moi, je parle autant du numérique, hein, parce que si on revient à l'arche antique, c'était, tu pouvais pas faire ça non plus. Mais maintenant, avec le numérique, on a tellement pris l'habitude de pouvoir prendre une photo et de tout de suite la regarder, de se dire ah ouais, elle est bien, ou alors elle est pas bien, faut que je la refasse plus comme ça, tout ça. Là, c'est pareil avec l'astrophoto, c'est-à-dire que tu lances ta session de 3 heures où ça tourne tout seul ton appareil. S'il y a eu un souci pendant les 3 heures et que tu l'as pas vu, bah, c'est foutu, quoi. T'as déqué 3 heures. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et non, franchement, c'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire. Peut-être même des fois, je fais un peu trop, parce que j'ai déjà eu des remarques de ma copine comme quoi je faisais plus ça qu'être avec elle. Mais donc voilà, mais non, c'est quelque chose, je pense, que je continuerai à faire, et j'espère trouver toujours le temps de le faire, même en travaillant après dans la vidéo, fiction, documentaire, toujours avoir ces moments où je suis un peu seul et pouvoir faire des photos, quoi. Même si mes clichés sont pas incroyables, et le but, c'est pas que je fasse je sais pas combien de vues sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. C'est avant tout, je le fais pour moi, parce que c'est un moment où je suis totalement je suis en accord avec moi-même, quoi, à ce moment-là. Et après, bah, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, c'est pas grave. C'est pas ça va pas changer ma manière d'être, ni la manière que j'ai de faire les choses, quoi. Je te remercie beaucoup. Maintenant, on va passer au côté pratique. C'est-à-dire, tu sais, que maintenant qu'on a fait la théorie, voilà, on va passer au côté stage. C'est-à-dire qu'en fait, donc on est à la radio Val d'Azergues. Ouais. On a tout dit sur la partie théorie. On a tout abordé. Non, mais je pense qu'au niveau timing, J'ai pas le timing. Moi, je l'ai. Mais non, il y a tellement de choses à dire. Oui, bah, il y aura toujours, quoi. Oui, c'est ça qui est bien. Donc alors, on est à radio Val d'Azergues, et il se trouve qu'à radio Val d'Azergues, tu as une activité ici. Oui, bah, du coup, ça fait 4-5 ans que je suis leur technicien vidéo. Ouais. On a commencé, la vidéo n'était pas développée, enfin, c'était une radio-radio, donc c'est-à-dire que c'était vraiment que du son. On était dans un petit placard à balai, enfin, quand moi je suis arrivé, ils avaient connu d'autres étapes encore pires avant. On était dans un placard à balai dans la salle des sports, on tenait à peine à 4 dedans pour faire les émissions. Et en fait, ça s'est produit, c'était tout con, c'est-à-dire qu'à un moment, on devait faire la promotion de la chorale. Il y avait que moi disponible à ce moment-là, donc j'y suis allé. Et on a discuté après, et ils se sont dit on aimerait bien se développer en vidéo, machin, ça. Mais en fait, j'ai du matos, j'essaie de me développer. J'étais encore autodidacte à ce moment-là, hein, quand ça a commencé. Et ils m'ont dit bah, écoute, viens, il y a un match de sport dans 3 jours, je crois. On a fait un test de reportage et tout. J'ai dit bah ok, pas de souci. Et on a essayé, ça a super bien marché. Ça a aussi fonctionné, je veux dire, en termes de vues sur les réseaux et tout ça pour la radio. Et du coup, en fait, bah, ça n'a jamais cessé de se développer, quoi. J'ai commencé tout seul avec ma petite caméra, mon appareil, et juste quelqu'un devant qui venait parler. Maintenant, bah, on peut regarder, on a 2 caméras. Tu vas nous montrer. Et on a changé de locaux, du coup, on a des locaux qui nous permettent d'avoir plus de place, qui nous permettent d'avoir ce matériel et cette installation technique qu'on a actuellement. Ouais. Et ça t'éclate de faire l'ingé son. Alors, t'es pas seul, effectivement. Là, je pense que tu vas montrer, effectivement. Et donc, il y a Arnaud, qui est ton grand acolyte depuis un paquet de temps. Oui, effectivement. Oui, avec qui j'ai commencé, d'ailleurs, parce qu'on a commencé sur l'Enéide ensemble, hein, tous les deux. Ouais. Et puis, il y a Clément aussi, qui lui nous a rejoint et qui assure beaucoup de taf. Alors, on n'a pas parlé d'Antigone, mais on en parlera avec d'autres personnes, etc. Mais tu as eu un gros job là-dessus, sur le pont Lumière et tout ça. Mais donc, je t'en prie, vas-y. Bah, viens avec moi. Allez, go. Non, moi, je compte les temps qu'il m'en restait. Alors, donc, on est dans la régie. Donc là, on voit… Explique-nous un peu tout ce principe-là. Parce que quand même... régie, donc on est dans la partie vitrée qui est derrière le studio. On a installé, donc il y a la partie son qui est au centre. On a la partie live qui est ici au niveau de Stordi sur OBS. Et la partie, là directement, on gère directement le flux des caméras sur cet appareil, donc il y a un mélangeur vidéo. Donc c'est des mélangeurs, il existe des beaucoup plus gros, hein, à la télé, c'est ce qu'on voit, qu'il y a plein de boutons, moi je ne les retrouverai pas, mais là ça va, il n'y a que 4 caméras, et on voit donc toutes les caméras qui sont ici, on peut voir le cadreur qui nous met un plan plus serré dessus. Et donc voilà, le flux est envoyé à l'ordinateur qui gère sur le streaming. Le son, quand on est en émission de radio, donc on a des vrais micros qui sont posés sur pied quand ils sont installés en configuration radio. Ça passe dans la table de mixage et c'est repiqué sur l'ordinateur. Pareil, donc on refait une synchro avec l'image vidéo et l'image et le son. Et après, c'est envoyé en stream. Du coup, on diffuse sur Facebook et YouTube. Et puis, ça commence à faire une install qui est pas mal, quoi, par rapport à là où on a commencé.
ça commence à rendre bien. Quoi. Puis alors, le truc que sur lequel en fait, cette table me fait penser, en fait, c'est que ben, la radio vous permet aussi de vous faire la main. Et je pense que les projets qu'on a pu faire aussi vous ont permis de vous faire la main sur du matériel parce qu'il n'y avait pas de, enfin, il n'y a pas une échéance ultime. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Tu apprends tout le temps. Oui, c'est hyper formateur, surtout en... Alors, on teste un peu le matériel, même si c'est du matériel qui reste semi-pro, mais là où ça nous apprend vraiment beaucoup, c'est surtout sur la manière de penser, en fait, parce que la manière de penser ici ou sur un tournage, extérieur, elle sera la même, parce qu'il faut que tu aies la même rapidité, la même efficacité dans le montage, démontage, installation, comment tu places tes projecteurs, et en fait, c'est là où c'est utile, quoi. Ok. Ouais. Donc c'est voilà. Plutôt bien pour toi. Ouais, je trouve. Enfin, moi, je m'éclate, ça fait 5 ans que je suis là, et je suis content d'avoir réussi à pouvoir mettre tout ça en place quoi. C'est vraiment puis même pour la radio quoi, c'est que bénéfique donc voilà, et on espère que ça va durer encore un moment. Je te remercie Guillaume. Mais c'était bien. C'est pas Covid mais c'est pas grave. Allez. Et à bientôt. Ciao. Mais on peut couper et on est pas mal.